Juste regarde. Non. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, attends, tu m'as fait mal à la dent, frère, doucement. Regarde-moi ça, il y a de la bave. Passe-moi mes sous. Mais j'ai pas tes sous, frère. T'as très bien me faire serrer. Mais regarde, c'est la nouvelle collection. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Et juste avant que la vidéo commence, je vais vous inviter à rejoindre en masse ma nouvelle chaîne YouTube, Mikalash Music. Donc, une chaîne que j'ai créée spécialement pour balancer des clips et des sons dessus. Donc, bien sûr, voilà, ça change rien au contenu de cette chaîne. Hein, je vais continuer mes pranks, etc. Mais sur cette nouvelle chaîne, il y aura de la musique. Donc, vraiment, l'équipe, je compte sur vous pour venir vous y abonner en masse. Je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche des notifications. Donc, voilà, pour l'instant, il y a encore rien de posté sur cette chaîne, mais ça va arriver d'ici très bientôt, d'ici 2-3 semaines, voire un mois maximum, je pense. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Ça fait un moment que je voulais mettre ça en place et voilà, je le mets enfin en place. Donc, vraiment, je compte sur vous pour venir vous y abonner en masse et activer la cloche des notifications. Comme ça, quand le clip sortira, vous pourrez directement le voir avec une petite notification. Si on pouvait atteindre les 20 000 abonnés sur cette nouvelle chaîne pour mon premier clip, ça me ferait énormément plaisir. Salut l'équipe, c'est Mikalash. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va piéger un escroc sur le bon coin. Voilà, on va lui faire littéralement péter les plombs. Donc voilà, tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va piéger une personne en fait qui vend un t-shirt Gucci de contrefaçon sur le bon coin, au prix en fait tout simplement d'un vrai t-shirt alors que c'est un faux. Donc pour changer un petit peu d'habitude, cette fois-ci ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on l'a piégé sur plusieurs jours, voilà, sur presque plus de 2 semaines. On l'a donné des rendez-vous un petit peu à droite à gauche, on l'a fait bouger par-ci par-là, on l'a rendu fou dans tous les sens avec mes potos. Voilà, ça de toute façon vous allez le voir par vous-même. Je vous conseille quand même de regarder la vidéo dans son intégralité pour bien comprendre ce qui se passe. Voilà, enfin bref, une fois de plus, je relance le hashtag Mikalash Road to 1 million. Je sais qu'ensemble on va y arriver. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner en masse à la chaîne, ça me fera super plaisir. Et en plus ça vous permettra tout simplement de suivre les futures vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser le like. La dernière fois on a fait 50 000 likes. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire plus que 50 000 likes? Je sais pas, c'est ce qu'on va voir, mais en tout cas je compte sur vous pour me faire exploser le compteur si la vidéo vous plaît, bien sûr. Voilà, je vous force en aucun cas à mettre des likes, c'est juste si la vidéo vous plaît. Moi ça me remercie, je vous demande pas de dons, pas d'argent, etc. Juste un petit like et ça me soutient énormément. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette petite intro. Je vous laisse directement avec le contenu de la vidéo. On commence avec le premier jour où on l'a piégé pour la première fois et ensuite vous allez voir, ça va s'enchaîner. Bon visionnage. C'est toi qui est venu pour l'achat? Wesh mec. Ça c'est toi pour le t-shirt? Exactement, c'est moi. Quoi? Le t-shirt, quoi? Hein? Non, Ouais. Du coup c'est Mickey? Ouais, c'est Mickey. Et j'ai une question à te demander, quoi? Hein? Ouais. Quoi? 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 Est-ce que c'est un t-shirt pour les canards? Les quoi? Ouais, les canards, ouais. Les canards? Ouais, ouais. Quoi? Mais t'es en train de te foutre de ma gueule ou quoi là? De quoi? Je sais pas, tu me parles de t-shirt pour les canards, c'est quoi cette histoire? Tu me dis quoi? Je te demande parce que moi je suis un canard. Canard et tout. Quoi, là, ça fait la deuxième fois que je suis en train de... Non, non, mais attends, 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 je te fous de ma gueule, là, ça fait la deuxième fois que je suis en train de me... De... Quoi? De venir au rendez-vous pour vendre mon t-shirt, je suis en train de te foutre de ma gueule, là. Non. Où ça, non? Pourquoi je me fous de ta gueule? Mais je sais pas, tu me dis ouais, c'est pour les t-shirts, c'est pour les canards. Non, c'est pas pour les canards, c'est un t-shirt pour nous. Quoi? C'est un t-shirt pour nous. C'est qui, nous? Un t-shirt pour un humain, quoi. Moi je suis un canard, ça se voit pas, ça se voit pas, regarde-moi. Ah, mais t'es en train de te foutre de ma gueule, comment ça se passe? Regarde, arrête de faire ça! De quoi? Je sais pas, t'es en train de te foutre de ma gueule là. Mais vas-y, montre le t-shirt là. Mais je te montre pas, non, c'est. Y'a pas. Y'a pas, t'es en train de te foutre de ma gueule, vas-y, casse-toi. Quoi? Toi t'es un canard, ça. C'est pas un canard. Comment ça, ouais? Recule, quoi. C'est bon, c'est recule. Regarde. Mets-toi, ouais, tranquille, c'est bon. Bon, je me cache. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est temps pour la vente Gucci. Oh. Oh. Ah, je veux voir, frère. Ouais, mais attends, c'est toi pour la vente. Oui, c'est moi, ça va? Dis-le-moi. Ouais, mais c'est moi, ça va, tranquille. Comme ça. Ah non, moi, je crois que tu voulais me le voler. En fait, tu vois, je suis un peu timide et du coup, je savais pas, j'étais pas sûr, je vous ai pas te parler, tu vois. Du coup, je me suis dit, je vais bien regarder le sac. Si c'est le sac Gucci, je lui dis bonjour. Si c'est pas le sac Gucci, je cavale, je me casse, je rentre chez moi, tu vois. Je cavale, je rentre chez moi. Je. Quoi? T'es un peu parano, hein, quand même. Non, frère, j'étais pas sûr, tu vois. Tu veux cavaler comme ça? Moi, je te le dis, ouais, je suis parano parce que t'as eu. Là, c'est un vrai sac et tout. Je commence à le regarder. Non. Je dis, avant, j'ai eu des mecs bizarres qui voulaient me l'acheter. Un mec avec une perruque, un mec je sais pas quoi. Tu vois, ça m'énerve. Je préfère que tu me fais pas de conneries, toi.
Ah non, frère, non, moi je t'explique. J'ai vu le sac comme ça au loin, tu vois. J'étais pas sûr. Ah, on le voit de fou. Là, moi, ça, c'est et du coup, tu vois, moi je suis un peu timide. Je savais pas si je devais te dire bonjour ou pas. Je suis venu, tu vois. Ouais. J'ai regardé, j'ai vu qu'il écrit Gucci. Tu vois, je me suis dit, si c'est écrit Gucci, je viens, je lui parle. Si c'est pas écrit Gucci, je me casse, frère. Ouais. Si c'est écrit Gucci, je viens. Si c'est pas écrit Gucci, je me cache, je rentre chez moi, je cavale, je mange, je veux un, et après je rentre chez moi, je reviens, tu vois, je vais là-bas. Frère, je vais faire mes courses à Carrefour, tu vois. Moi, je suis un mec, je fais à Carrefour. Le Leclerc, j'aime pas trop, c'est un peu trop cher, tu vois. Mais... Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer, tu vois. Le Leclerc, c'est un peu trop cher, du coup, moi, je vais à Carrefour de temps en temps. Mais quand je vois un mec qui a le sac Gucci, je me suis dit, tiens, c'est lui. Si c'était pas lui, je serais rentré chez moi, je serais allé voir un autre mec, tu vois. Des gens sur Mon Coin, il y en a plein. Le Mon Coin, de toute façon, c'est un site qui est en expansion, frère. Mais il y a pas que le Mon Coin, il y a aussi sur eBay. Je sais pas si c'est d'acheter un truc sur eBay. Je serais allé sur eBay et je l'aurais pris par là, tu vois. Moi, il y a pas de souci, frère. C'est le sac Gucci, je prends le sac Gucci. C'est pas le sac Gucci, je rentre chez moi. Je vais à Leclerc, je vais à Carrefour. Il y a aucun problème là-dessus, tu vois. C'est bon, t'as fini là? Oui. Désolé. Pas, tu me parles de. C'est pas, t'as commencé à parler de Carrefour. Après, tu parles de eBay. Je sais pas, j'ai rien compris à ton histoire. Bref, tu veux le truc, c'est le t-shirt, hein? Ouais, c'est le t-shirt, c'est ça? Ouais, oh, ça. Attends, fais voir. Je peux voir le sac un peu avant? Fais attention. Ouais, je fais attention. Oh, tu mets tes mains dessus, tu le salis là. Non, j'ai pas les mains sales, frère. C'est pas un sac. Ouais, tu veux sentir mes mains un peu? Non, non, je sens pas tes mains. Tes mains là. Fais voir. Attends, pas. Prends-le doucement. Oui, je le prends doucement, t'inquiète pas. Oui, j'ai les mains propres, juste le regarder un petit peu, l'admirer comme ça. Fais attention. Fais attention, je regarde. Ah ouais, avec le t-shirt, tu tombes pas quand même. Je regarde. Attends. Attends. Non, je regarde. Désolé, je regarde. Je regarde, décale-toi un peu. Attends, je regarde le sac, frère, je regarde le sac, c'est bon. Bon, juste un dernier truc avant de mets pas à l'envers. Avant d'ouvrir et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, j'ai juste besoin de faire un petit truc, tu vois. J'ai besoin de le lécher. Parce que. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Je te dis, t'es un mec bizarre. Non, je suis pas un mec bizarre. J'ai besoin de le lécher pour voir un petit peu son goût. Suivant son goût, je pourrais te dire si je l'achète ou pas. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, juste regarde. Non. Et s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, attends, tu m'as fait mal à la dent, frère, doucement. Regarde-moi ça, il y a de la bave. Mais t'es sérieux, quoi? Mais arrête de rigoler, t'es vraiment bizarre. Non, ah, mais, je vois un truc, ça me casse les couilles. C'est bon, frère. Rassieds-toi là. Et déjà, me donne pas des ordres. Non, je assis. Assis. C'est bon. Je sais pas quoi faire, moi je rigole pas avec toi. Ah si! Non, mais genre je te dis ça pour. Écoute, je m'assois parce que j'ai envie de m'asseoir, mais c'est pas parce que c'est toi qui me l'as dit. Ouais, moi, c'est vrai. Je fais pas, t'as eu. Voilà. T'as eu. Et du coup. Non. Vas-y, du coup, fais voir un petit peu ce qu'il y a. T'as mis de la bave là, tu sais quoi, regarde, tu sais que tu vas prendre le sac avec. Et moi je te dis, regarde le t-shirt, je le vends 200€, tu vois, je te l'ai dit. Ah, mais c'est pas sûr que j'achète encore. Ouais, mais moi je te dis que c'est sûr maintenant. Enfin, quoi que tu peux prendre le. Pas le t-shirt, mais tu prends le sac obligé, t'as léché. Là, j'ai léché. T'as léché, maintenant c'est 50 balles. La bave c'est de l'eau, frère. L'alcool c'est de l'eau, la bave c'est de l'eau. Ouais, mais là, c'est ton eau à toi. Moi je veux pas. Bon, fais voir un petit peu le t-shirt là. Donc tu me le payes, hein, le sac. C'est 50 ouais. euros. Frère, par contre, s'il te plaît. 200 euros. Non, ah, c'est bon, ça marche, mais tu peux arrêter de me raconter ta vie, frère. Tu vois, moi, ta vie, je m'en bats les. Et tu vois, je fais des mouvements avec. Qu'est-ce que tu racontes? Je fais des mouvements avec la main, comme ça. Tu m'as parlé de eBay et après, moi, tu parles comme ça. Ah, c'est bon, frère. Tu manques trop de respect, tu me dis, ouais, assis-toi et tout. Oh, ça fait pas que tu m'écoutes. C'est bon, frère. Mais c'est bon, t'es en train de me saouler. Arrête de me raconter ta vie, frère. C'est bon, sors le t-shirt. Je vais sortir ton t-shirt parce que là, ça m'a gonflé, tu vois. Regarde-moi ça, voilà. Ça, c'est un t-shirt Gucci. C'est le Gucci, voilà, celui-là. C'est le Gucci, c'est celui-là. En fait, moi, j'ai besoin de l'acheter parce que tu vois, je vais faire des clips et tout. Ouais, ok. Et du coup, j'ai trouvé le modèle pas mal sur internet, tu vois. Non plus, parce que là, t'es en train de me gonfler. Prends le t-shirt et casse-toi après. Hein. Attends, frère, par contre, c'est Mickey Mouse. Ouais, ça dépend comment on dit. Il y en a, ils disent Mickey Mouse, Mickey Mouse. Mickey Mouse. C'est Mickey Mouse? Ouais, c'est Mickey Mouse. Mais j'ai pas compris, frère. Gucci, genre, ils ont fait une collaboration avec Disneyland? Ouais, parce que je sais pas, en fait, je crois que c'est le créateur de Disney. Il était bien collègue avec le créateur de Gucci. Je crois qu'ils étaient à l'école ensemble, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, ils se connaissaient depuis longtemps. C'est le Disneyland en Italie là-bas. Non, vous, gros, vous avez le don pour inventer des trucs, frère. La vie de ma mère, vous avez le. Le talent, genre, pour inventer des histoires, mon frère. J'ai jamais vu ça. Je sais pas, frère, vous m'inventez des trucs à chaque fois. Tu racontes de quoi? Je... Non, oublie, t'inquiète, mais vous m'inventez des. Oh, frère, c'est pas possible. Mais de quoi j'invente? Non, mais parle, à un moment, porte tes couilles. Quand tu parles quelque chose, dis-le ouvertement. C'est bon, frère. Non, dis-moi, c'est quoi le problème? Je peux l'essayer ou pas? Écoute-moi, t'as tu l'ouvres, écoute-moi. Ouais. Tu l'ouvres, ne serait-ce qu'un petit trou,
tu l'achètes cash. Ah, je vais l'acheter, mais je veux laisser. Tu l'achètes cash. Moi, je veux le yebi, tu vois. Je veux l'argent. Tu veux l'argent? Je veux l'oseille dans ma main, tu vois. D'accord, mais du coup, je peux au moins l'essayer. Je veux l'oseille, yo. Ouais, mais je le vois en douceur. Et comme ça, même si je le prends pas, je l'abîme pas, tu vois. Il y a pas de douceur, d'énervement, je sais pas quoi, oh. C'est bon, je l'essaye. Mais t'as cru que j'étais quoi? J'étais un vendeur de 26 000 ou quoi? Vas-y, j'essaye. Non, tu l'ouvres pas, moi je te le dis, tu l'ouvres pas. Et comment je l'essaye alors s'il me va pas? Mais tu l'essayes comme ça, regarde, parce que moi, tu vois, moi je vais te le dire, moi je suis un professionnel dans le vêtement, tu vois, je pose juste comme ça, voilà, moi je peux te dire qu'il te va bien. C'est bon, c'est bon. Touche pas. J'essaye. Touche pas. Ça, t'arrives quoi, frère? Faut que je m'énerve, parce que là en ce moment je suis très énervé. Là. Qu'est-ce que tu fais, frère? Je fais de la boxe, tu vois. Ah ouais? De la boxe pour évacuer mes nerfs. Vas-y. Et touche pas, je te dis. Juste, regarde, je vais te l'acheter. C'est pas du Kalenji, c'est pas du je sais pas quoi. 200 euros, c'est ça? C'est pas du. Oh. 200 euros. Ouais, 200 balles. Je te le paye. Déjà là, tu me fais le froisser. Je te le paye. Enlève ta grosse main là. Tu vas salir, mon cher. Je te le paye. C'est bon, passe. Arrête de rigoler, ça commence à m'énerver en plus. Passe, je te le paye. Enlève ta grosse main, regarde-moi ça. Touche pas! Je te le paye. Tu le payes, voilà, c'est bon, tu l'as touché, tu m'as gonflé. Je le paye, c'est bon. Est-ce que je peux juste l'essayer? Allez, essaye-le, tant qu'on y est, allez. Hop, tu fais quoi? Mais t'es sérieux, arrête, tu fais quoi? Attends, je l'ouvre. Mais je l'ouvre. Mais moi aussi, je le froisse à cause de toi. Tu fais quoi? Ah, je voulais l'ouvrir, frère. Là, j'ai le démon. Essaye-le vite et donne-moi les sous après. J'ai pas les sous, frère. Comment ça t'as pas les sous? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah je sais pas, frère, c'est... Attends, je regarde un peu, après je te dis. Oh, tu voulais le t-shirt si t'as pas les sous? Je sais pas, frérot, attends, fais voir. Putain, il est bizarre ton t-shirt. Putain, regarde vraiment ça, tu l'as froissé maintenant, il est froissé. Moi je t'explique, en fait, je suis venu pour prendre le t-shirt, tu vois. Mais en fait, pour moi, je veux pas m'en servir comme t-shirt, t'as capté? Je raconte. Moi, des t-shirts, j'en ai déjà, frère, tu vois, j'ai Ralph Lauren et tout, j'ai pas besoin de t-shirt, frère. Ouais, j'ai vu, mais c'est un faux, on voit que le cheval, il est un peu tordu. Qu'est faux, frère, n'importe quoi. Et le cheval, il, je sais pas, il cabre, on dirait. Et toi, c'est un faux, ton truc? Et bah, tu crois que moi, je vends du faux? Moi, je reconnais le vrai du faux, ça, c'est un faux, ça, c'est un vrai. Regarde, frère, moi, je t'explique. Par contre, je pense que ta casquette, elle est bien vraie. Ouais. Mais crois-moi que si t'as pas les sous, je prends ta casquette. Tiens, prends ma casquette, toi? Ouais, je vais prendre ta casquette. En fait, je t'explique, regarde, moi, ce que je voulais, c'était m'en servir comme mouchoir. Fais gaffe, je pisse pas sur le t-shirt. Moi je voulais m'en servir comme mouchoir, t'as capté? Qu'est-ce que tu racontes? De quoi? Ah, je t'écoute là, je sais pas, ça m'a tilté. Qu'est-ce que tu racontes? Mouchoir de quoi? Non, moi j'ai déjà assez de t-shirt comme ça, tu ouais, vois. Ouais, et alors? Du coup, moi je voulais l'acheter parce que je l'avais vu, il avait l'air pas mal. Ouais. Il avait l'air d'être doux pour mon nez, tu vois. Moi j'ai le nez, il est un peu, regarde, t'as vu, il est un peu irrité des fois, t'as capté? Et ouais, qu'est-ce que tu racontes? Du coup, moi il me fallait. T'as 200 balles pour te moucher dedans ou quoi? Non, moi j'ai pas 200 balles, frère, mais. Attends, j'ai. Mais t'es sérieux? Enlève. Attends, j'ai une crotte de nez, frère. Enlève ton nez. J'ai une crotte de nez, frère. Ah. Enlève ton nez, putain. Ah. Je le veux plus. T'es sérieux? Oh, passe-moi ta casquette. Touche pas. Je vais te monter en l'air, putain. T'es en train de me saouler. Voilà. Bon, du coup, je me suis bien bouché avec. Maintenant, t'as vu, je. Quoi ça? De quoi? Il y en a un petit peu là, ici, comme ça. Ça, frère. Mais sérieux ou quoi? Mais tu te fous ma gueule, ça commence vraiment à me casser les. Bon, frère, regarde, je vais t'expliquer. Ton t-shirt, j'ai pas les sous. Mais comment ça, t'as pas les sous? Tu me passes ta casquette? Parce que moi, je vois que t'as eu. Ça, c'est du faux, mais ça, j'arrive à reconnaître, ça, c'est du vrai. Et ça, je la reconnais. D'ailleurs, passe à moi. Non, non, touche pas. Touche pas. Touche pas ma casquette. D'ailleurs, ta montre aussi, elle touche est pas. Touche pas, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne touche pas. Comment ça? Ne touche pas, ne touche pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, mais passe-moi les nez, tu. Mon t-shirt, tu l'as abîmé et moi j'ai pas le droit de prendre mes sous. Ton t-shirt, c'est un t-shirt de contrefaçon, frère. Contrefaçon? Moi je m'en sers comme mouchoir, c'est tout. Moi, contrefaçon? Ouais, toi, contrefaçon. Moi, ton t-shirt, je m'en sers de mouchoir, frère. Tu te fous ma gueule là, t'es en train de te foutre de ma gueule. Oh, qu'est-ce que t'arrive? Ah, j'ai besoin de me défouler, je vais me défouler contre toi, un punching ball. Tu vas rien défouler du tout, frère. Comment ça Tiens, regarde. Déjà, reprends ton t-shirt. Vas-y, dégage, non, t'es sérieux? Tu oh, regarde, moi ce que je vais te proposer, regarde. C'est hop. Ouais, la casquette, je la prends. Non, je vais. Regarde, c'est quoi? Tu me fais un peu de la peine, frère. Du coup, tu sais quoi? Je sais que c'est un t-shirt de contrefaçon, tu vois. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je te propose, ce que je vais faire, tu vois, c'est le t-shirt. Je vais pas te le payer parce que j'ai pas les sous. Mais je vais te l'échanger contre un autre truc Gucci. Ouais, bah ouais. C'est un vrai. Moi, j'ai ce t-shirt là. Comme ça. Du coup, si tu veux, je peux te l'échanger avec celui-là, frère. Mais je vais pas te proposer mieux, tu vois. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi?
T'es sérieux ou quoi? Mais ça a vraiment la même gueule, tu crois? De quoi? Tu crois vraiment ça a la même gueule là? Moi je peux te l'échanger quand c'est là, Gucci, tu te fous de ma gueule, c'est un Hollister là. Et tu t'as même pas caché le l'oiseau. Mais non, mais Hollister ils ont fait une collaboration avec Gucci, tu savais pas? Depuis quand? Bah depuis pas longtemps, mais tu vois pas, frère. Attends, t'es en train de me prendre pour un con, n'importe quoi. Et toi, qu'est-ce que tu me racontes? Là, tu vois bien que c'est écrit au stylo, tu te fous de ma gueule en plus. T'as vu ma mère là, t'es en train de me rendre fou, je veux mes sous maintenant. Mais non, regarde. C'est sérieux, mais je m'en bats les couilles. Passe-moi mon t-shirt maintenant. C'est le moi le. Tu le nettoies. Tu le nettoies, tu me passes ta casquette, je veux mes sous en tout cas. C'est la nouvelle collection. Y'a pas de nouvelle collection, arrête, t'es en train de me faire serrer. Avec le Hollister. Passe-moi mes sous. Mais j'ai pas tes sous, frère. T'es en train de me faire serrer. Mais regarde, c'est la nouvelle collection. Ouais, écoute. Hey, je vais te prendre en photo, regarde-moi bien. Tu me prends en photo, frère? Ouais, je vais te prendre en photo. Vas-y, vas-y, prends-moi en photo, frère. Arrête de faire le malin, arrête vas-y, de vas-y. Faire le malin, arrête. Vas-y, prends la photo. Arrête. Vas-y, vas-y, frère. Tu fais le malin, mais regarde, regarde, fais le malin. Pourquoi tu me prends en photo? Mais parce que regarde, on va se retrouver, je prends ta tête. Vas-y, vas-y, prends vas-y. La tête vas-y. En photo, et on se retrouvera, t'inquiète pas. Fais le malin, fais le malin. Je zoome bien sur ta gueule comme ça, tu la ah, c'est bon comme ça. Attends, attends, prends mon profil gauche comme ça. Prends le profil gauche comme ça. Regarde-moi bien, maintenant on va se retrouver, je m'en bats. Arrête de faire le malin comme ça. La fille de ma mère, on va se retrouver, tu vas moins faire le malin. Tu vas arrêter de faire le fou comme ça. Mais pourquoi on va se retrouver? Mais on va se retrouver, tu verras, mais t'es sérieux ou quoi? T'as pris mon t-shirt, tu fais n'importe quoi avec. Mais pourquoi on va se retrouver, je suis en face de toi là. Mais on se retrouvera, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu vois la t'inquiète photo pas, on va se retrouver, y'a pas de regarde la photo. T'as cru que je vais la mettre sur Instagram ou quoi? Tu mets quoi comme filtre? Tu vas mettre un filtre dessus, mets un filtre frère dessus s'il te plaît. Tu vas retrouver, tu vas voir. Tu vas moins faire le malin, tu vas moins rigoler, je vais te mettre dans la. Mais j'ai je vais te mettre dans la, je m'en bats les couilles. Maintenant tu me payes. Maintenant tu me payes. Mais tu me payes, 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 tu me payes. Casse-toi, j'étais comment pas. Comment ça casse-toi? Tu me payes maintenant. Paye-moi, paye-moi, paye-moi. J'étais paye-moi, pas... paye-moi, je m'en bats les couilles. Je me raconte pas ta vie. J'étais pas sous mon bon profil. Je m'en bats les couilles. Tu crois que je rigole avec toi? Tu crois que je rigole avec toi? Reprends la photo. Tu crois que je rigole avec toi? Passe-moi mes sous maintenant. Passe-moi j'ai mes pas sous. Les passe-moi sous. Mes sous. J'ai proposé le t-shirt Gucci avec Hollister si tu veux. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ça c'est un faux ça. Ça c'est un faux. Et ça c'est quoi? Ça c'est un vrai. Tu vois pas? Ça se voit que c'est un vrai. Regarde, je peux même pas le toucher. Ça se voyait tout de suite, regarde, c'est écrit au stylo, tu te fous de ma gueule là. Mais non frère, regarde, moi je te passe le t-shirt contre celui-là. C'est soit les sous, soit ta casquette, parce que je la prends ta casquette sinon. C'est un faux ou c'est pas un faux? C'est pas un faux, je te dis. Frère, toi, tu comprends pas, c'est un pas faux, je le sais frère. Mais comment ça tu sais, c'est toi monsieur Gucci peut-être? Je suis allé à Gucci, j'ai montré le t-shirt, ils m'ont dit que c'était un faux. J'ai montré la photo. Ils m'ont dit qu'il n'existait pas ce modèle. Hey, ils t'ont mal renseigné. Ils m'ont pas mal renseigné. Hey, ils t'ont mal renseigné, arrête de te foutre de ma gueule, arrête de te foutre de ma gueule. Là tu viens de salir mon t-shirt, c'est tout. Vas-y, tu sais quoi, regarde, on va faire un truc. Si tu m'avoues la vérité, je te passe ma casquette. Sans embrouille, sans histoire ni rien. T'es sûr que tu me passes ta casquette hein? Je passe la casquette. C'est un faux ou c'est un vrai? Bah c'est un faux. C'est un faux. Ouais, maintenant passe-moi ta casquette. C'est un faux. Ouais, c'est un faux. Et pourquoi c'est un faux comme ça là? Comment ça, pourquoi c'est un faux? Bah pourquoi tu vends des faux t-shirts sur le bon coin? Bah tu sais quoi, écoute, tu veux pas me donner les sous? Moi je te dis clairement, là j'ai ta photo, tu vas avoir de sérieux problèmes. Maintenant je veux mes sous. Tu vas faire quoi? Plus tard, si j'ai pas mes sous, t'auras un problème. Quand plus tard? Maintenant là? Non, pas plus tard. Pourquoi, mais après, pourquoi on aurait pas les problèmes maintenant? Parce qu'il n'y a pas de problème à régler maintenant. Moi je te dis, je veux mes sous, c'est tout. J'ai pas mes sous. Ouais, plus, ben, plus tard, on se recroisera, je sais pas quoi, mais non, je suis là, je suis en face de toi. Fais gaffe, arrête, c'est bon, calme-toi, fais gaffe, pars, vas-y, vas-y.